Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch qui va vous permettre d'avoir l'exfiltration en illimité. Donc déjà, il faudra atteindre la manche 5 pour pouvoir s'exfiltrer. Ensuite, il vous faudra l'amélioration putréfraction du cerveau qui vous donne une chance de transformer n'importe quel ennemi en allié en lui tirant dessus. Alors, ce que vous allez faire ensuite, donc faites attention hein, parce que si maintenant vous êtes en partie légite et tout et que ça vous arrive, ben ce serait dommage. Donc, essayez de faire en sorte de ne jamais faire ce glitch quand vous êtes en exfiltration, enfin que vous voulez faire une exfiltration et que vous voulez la réussir parce que ça va bugger le jeu et vous ne pourrez plus vous exfiltrer. Alors, ce que vous allez faire quand vous avez votre putréfaction du cerveau, vous allez chercher un tas de zombies. Donc là, je vais aller en chercher un là. Déjà, vous allez tuer ce zombie là, le zombie de feu. Parce que le zombie de feu ben, peut faire bugger le glitch. Si vous avez un zombie qui tire avec une sulfateuse, donc les gros zombies boss, ben, eux, ceux-là aussi, vous les tuez pour pas qu'ils vous gênent pendant que vous faites le glitch. Donc là, quand vous avez un petit groupe de zombies, ben, vous les amenez en face de l'exfiltration. Et là, ce que vous allez faire, c'est transformer un zombie. Et direct, dès qu'il est transformé, vous attendez qu'il fasse un kill. Logiquement, je pense qu'il faut attendre qu'il fasse un kill. Mais dès que vous l'avez transformé, eh ben là, vous activez l'exfiltration. Et vous allez voir que quand vous aurez activé l'exfiltration, ben, vous allez tuer des zombies. Mais le compteur de zombies ne diminuera pas. Et vous aurez des zombies en illimité qui vont venir sur vous. Et vous allez pouvoir les tuer en illimité. Donc là, je vais attendre que le dernier zombie s'amène. Mais il est très très lent. En plus de ça, petite information supplémentaire, grâce à ce glitch, vous aurez accès à la boîte mystère pour racheter de nouvelles armes. Donc vous allez pouvoir débloquer le camouflage de toutes vos armes, plus monter l'XP de toutes vos armes très facilement et très rapidement. Ok, donc là j'ai un bon petit groupe de zombies. Hop, j'essaye de tirer dessus pour en transformer un. Faut avoir la chance qu'il se transforme. Regardez, celui-là il est transformé. J'active l'exfiltration. Bon, il n'a pas fait de kill, mais logiquement ça devrait fonctionner quand même. On va tester ça. Logiquement, quand je tire sur un zombie. Regardez, voilà. J'ai tiré sur un zombie. En fait, je pense qu'il faut vraiment l'activer instantanément. Dès que le zombie se transforme, il faut que vous activez l'exfiltration. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Faut même pas attendre qu'il fasse un kill. Vous activez l'exfiltration dès que le zombie se transforme. Et là, regardez, ben, je peux tuer des zombies en illimité. Parce que ben, l'exfiltration ne se réalise pas. Donc, ben, je suis tranquille. Je fais des kills en illimité. Est-ce que vous pouvez même faire... C'est cumuler un autre glitch. Donc vous allez par exemple ici. Vous ouvrez la porte. Vous vous mettez ici en face de la porte. Et regardez, les zombies vont pile up devant vous. Donc ça va vous permettre de débloquer le camouflage de vos armes. Faire l'XP de vos armes. Faire l'XP de votre personnage. Votre XP personnel. Donc voilà, c'est assez cheaté. C'est assez facile à faire aussi hein, en plus. Donc profitez-en si vous voulez en faire. Bien. Donc voilà. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikulo Mike et ciao. Peace.